money. Et on démarre ce matin avec la une du quotidien Sud Quotidien, vous l'avez aperçu à l'instant, sur la participation au dialogue de Macky Sall. Le PDS entrebâille tout simplement la porte. À retrouver dans les colonnes de Sud Quotidien ce matin les propos de Maître Eladj Amadou Sall. Nous poursuivons avec la tribune cette fois-ci et toujours sur cet appel au dialogue du président Macky Sall. Le PDS dit oui tout simplement au dialogue, constate la tribune à sa une. L'Observateur, quotidien du groupe Futur Média, avec à la une une actualité encore politique et qui concerne cette fois-ci Maître Ouad, à faune depuis l'élection présidentielle. Ce serait, selon nos confrères de l'Obs, toute une énigme. Elle a une également une actualité sportive avec cette double fracture au tibia péroné de Khadim Ndiaye. On en reparle tout à l'heure dans la chronique sport avec Koumba. L'As quotidien sur la suppression du poste de Premier ministre. Macky consulte ses députés et ses alliés. Le groupe parlementaire Beno au palais demain. Les alliés rencontrent également le chef de l'État ce jeudi, toujours autour de cette question. Il s'agit de la suppression du poste de Premier ministre. 24 heures info maintenant sur les élections locales de décembre 2019 dans le fief de Macky. La menace Sonko à fatigue, écrit 24 heures info à sa une. Et donc déjà, 24 heures qui nous plongent dans ces élections locales prochaines. L'évidence avec à sa une cette interrogation. Les frustrés vont-ils affronter Macky? Réunion donc de l'APR au palais aujourd'hui. On en saura davantage évidemment dans les quotidiens qui paraîtront demain sur cette actualité. Source A maintenant sur la fusion ou le rapprochement entre la gendarmerie et la police. Les raisons du déblocage, l'idée de rapprochement qui a commencé à germer du blocage, autant pour moi, les raisons du blocage et non du déblocage. L'idée de rapprochement qui a commencé à germer dès les premiers mois du magistère d'Abdoulaye Daouda Diallo à la place Washington avait connu une vraie avancée au point qu'un officier supérieur de la gendarmerie a été détaché au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Alors que se passe-t-il? Pourquoi cette fusion ou ce rapprochement entre la gendarmerie et la police connaîtrait un blocage? Analyse donc nos confrères de Source A ce matin. Libération maintenant sur un tout autre sujet. Il s'agit de la création d'un syndicat au sein de la douane sénégalaise. Les vérités des juges de la CEDEAO et comment Ndiaga Soumaré a été tout simplement débouté dans cette affaire. Les quotidiens sportifs. Stade avec Liverpool et City. Le combat continue tout simplement. Sadio et Salah font la bonne affaire pour les Reds. Sounoulambe pour terminer la revue des titres de ce lundi matin. Et à la une, le combat revanche contre le troisième tigre de face. Bombardier attend gris de pied ferme. Je dois me venger, dit-il. Thialis a conclu avec moi. Dina Melni Ndiar Dem, hein, c'est ça? Dina Melni Ndiar. C'est ça? C'est où ça? Dem. Ndiardem, Dinamel Ndiardem. Bon, Ndiardem, c'est quoi, Alun Badara? Dinamel Ndiardem. Oui, ça. C'est du Wolof très profond. Ce Wolof-là, je viens de l'entendre pour la première fois. Moi aussi, hein. Qui a dit ça? Qui pour traduire? Ça, c'est Bombardier. Est-ce que c'est du Wolof? C'est pas du Poulard? Ah, Dinamel Ndi. Dinamel, oui. Bon, après. Peut-être c'est du Wolof. On attend l'aide du puriste, le colonel Momorgue. Qui nous regarde. La bonne traduction. Peut-être c'est du Lebou. Le Lebou, c'est pas du. Voilà. Mon colonel, c'est à la une de Lamboudi. Hein. On est en direct. La traduction. Vous pouvez nous aider. C'est à la une de Sounoulambe ce matin, hein, les propos de Bombardier. Si vous comprenez mieux que nous, dans tous les cas, on va poursuivre le magazine avec le sport toujours. Et c'est la chronique de Koumba. On démarre.